Salut tout le monde, c'est Tania et on se retrouve pour le sixième épisode déjà, d'un let's play sur Pokémon. Désolé, j'ai un peu bafouillé. Je vous avais dit dans le dernier épisode que vous verriez plutôt pourquoi j'ai pas fait monter mon mystère au niveau 18. Eh bien, c'est parce que ici, si on va ici, il y a un combat qui nous attend avec un membre de la team Rocket. Et dégage-le là, c'est pas chez toi ici. Quoi? Moi? Je suis qu'un passant, tu me crois pas? Donc, je le disais, donc on a un combat. Et ça va faire monter notre miss. Ben, je sais pas si ça va faire monter le niveau, mais il lui manque. Ouais, non, ça va pas le faire monter le niveau d'après moi. Mais ça va lui faire donner de l'XP. Et, qu'est-ce qu'on a plus tard? Juste en suivant la route, il y a la maison de. Pour faire. Je me souviens plus son nom. Une performance les Pokémon de niveau là. Vous pourriez me dire, oui, mais c'est pas très bien cette maison-là. Si ton Pokémon monte de niveau, il va prendre une nouvelle attaque et ça va supprimer une attaque que tu voulais peut-être pas qu'elle supprime. Oui, mais non. Parce que justement, en ce moment, mon Mystéab, comme attaque, il y a juste trois attaques. Donc si on apprend une nouvelle, il va se mettre dans la quatrième, il va pas en supprimer. Et comme je sais très bien que je me rendrai pas jusqu'à deux attaques apprises, ben ça va le faire. Donc que je vais faire? Je vais battre ce soporifique, même je lui ai enlevé le. Ah, ça lui enlève pas beaucoup. Ah oui, c'est vrai, c'est un Pokémon psy. Bon. J'aurais pu utiliser truc binoche. Je me suis. Ultima Washi, c'est ça. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Ah oui, d'accord. C'est de. D'accord, il est mort. Ok, je vais envoyer Mystère. Et je vais changer pour Outwood pour qu'il. Histoire qu'il die un peu. Donc oui, vous avez vu, j'ai pas fait la reine, je sais pas si ça va changer de quoi. À part que je pourrais plus faire monter mes Pokémon de niveau plus que 20. Ben, je vais pouvoir, mais ils vont pas m'écouter, donc c'est pas très utile. Bon, on va voir, hein. On va finir ce combat. Et voilà. On n'a pas de Pokémon qui ont monté de niveau. Mais bon. Ok, je vais rendre la cité volée. Je décampe, bye bye. Donc, qu'est-ce qu'on a eu comme cité? On a eu la cité. Ça? Ouais, creuse sous terre au premier tour et frappe au deuxième. Ouais. On va aller faire soigner nos Pokémon et on va aller voir si on peut continuer sur cette route ou s'il va falloir aller battre la championne d'arène avant. Il y en a beaucoup de monde ici. Pas grave. Allons voir donc. Ah, je dis beaucoup donc. Faut que j'arrête de dire que j'ai. Faut que j'arrête de dire ça. On va aller voir par où on peut aller. Ici, on peut pas. Parce qu'il faut avoir la capacité coupe. Donc, ça règle notre problème. Et on peut aller à la maison là. Un petit peu en bas, on va pas fuir. Ça va faire de l'XP un peu. Bon, en fait, on va fuir. On va pas fuir. Parce que bientôt, on va monter de niveau. Qu'est-ce que j'utilise quand je vais utiliser? Voyons voir. Ferro-singe. Voilà. Pourquoi ferro-singe? Parce que, regardez. Ici, ce qui manque pour avoir le. Prochain niveau, c'est 696 d'XP. Et pour eux toutes, c'est 317. Puis je veux pas qu'ils montent de niveau parce que sinon ça va être dur de les contrôler. Alors évidemment, si tu montes ton attaque, ça va pas bien le faire.
Voilà. Niveau 15. Eh bien, c'est bien. Et on va envoyer Misterbe. On va le laisser là un certain temps, juste assez pour qu'il monte au niveau 18, comme j'avais dit dans le précédent épisode. Juste pour qu'il monte au niveau 18. T'es un dresseur aussi? Capturer, combattre, c'est dur, hein? Ouais. Ouais, c'est dur. Et pendant ce temps, je vais aller me chercher un. Un chétiflore. Ouais, je vais m'entraîner un chétiflore pendant que notre Misterbe monte de niveau à la pension. Eh, c'est un chétiflore? Non, c'est un aspicot. Bah non, merci, désolé, mais non. Eh, c'est un chétiflore? Non, c'est un Misterbe. J'en ai déjà un, désolé. Est-ce un chétiflore? Non, c'est un roucoule. Ça m'intéresse pas trop, désolé. Est-ce un chétiflore? Non, un mystère. Ça m'intéresse pas vraiment, j'en ai déjà un. J'ai dit. Tantôt, j'avais que ça. Je me battais que contre des chétiflores et là rien. Ah, un abra. Si je réussissais à le faire monter de niveau, ce serait le fun. On peut essayer. Un recul. Allez, avance rapide jusqu'à temps que je trouve un chétiflore. Donc, j'ai trouvé un chétiflore. Ça a pris un peu de temps. Mais pas tant que ça. Donc, on va essayer de pas le tuer, hein. Avec un petit balayage ou point karaté. Point karaté, allez. Soyons fous. Coup critique, évidemment. Ah là 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 là, je vous jure que j'ai pas de chance. On va réessayer. Oh non. Bon. Je vais placer un Hutout en première position. Un Hutout en première position pour que si je vois un Abra, je puisse l'endormir. Allez, re-avance rapide. Et donc j'ai trouvé un Abra, c'est pas exactement ça que je cherchais, mais si je réussis à l'attraper, ça va être déjà bien. Donc on va essayer un petit hypnose. Ouais! Donc on va pouvoir le. Voilà. Et donc on va pouvoir utiliser notre Pokéball. Et voilà, on a attrapé un Abra. On a un Abra dans notre équipe, c'est tellement utile en plus qu'on est juste téléporte. Mais bon. Ça va venir, il va être utile un jour. Pas tout de suite, mais un jour. Et je continue ma recherche de Chétiflore, parce que c'est pas avec un Abra que je vais réussir à gagner contre Ondine.
trouvé, j'en ai trouvé un, les gens, j'en ai trouvé un. Bon. Là, si je le tue, je suis pas contente. Hein. Allez, on va utiliser hypnose déjà. Ok, ça commence bien. On va réessayer hypnose parce que je vous rappelle, c'est pas mal plus facile d'être un Pokémon quand il est endormi, empoisonné ou paralysé. On va essayer de pas le tuer avec notre charme. Ouais, c'est sûr que si on rate notre charge, on va pas le tuer. Ok. On fait une autre charge. Puis on essaie de l'attraper. Voilà. Et on a attrapé un Chetiflore, les gens. C'est génial. Bon, maintenant il faut faire monter le niveau et notre abat et notre Chetiflore. Allez. On va. Oh, sérieux. Allez, Spico, non, je vais pas me battre comme toi. On va aller au centre Pokémon faire soigner nos Pokémon. Et même que je crois. Attends, je vais regarder les attaques de mon petit Chetiflore. Ok, il y en a un. Hein? Il n'y a pas moyen de. Ah, d'accord. Voilà. Ensuite, mon Abra, il y a quoi comme attaque? Il y a juste les portes. Ce, il y a Bouillard, Griffe, Flamage, Griffe, Acier, d'accord. Féroce, Angela, Ultima, Machimula, blablabla. Ensuite, Outout, il a Régissement, Charge, Hypnose, Pispic, d'accord. Parfait. Donc, pourquoi j'ai fait tout ça? C'est que. Je vais retourner à la pension après avoir fait soigner mes Pokémon parce que je vais faire plutôt monter de niveau mon Abra pour qu'il apprenne d'autres attaques au moins. Et comme ça, bah, il va avoir appris d'autres attaques et pendant ce temps, je vais pouvoir faire monter de niveau et mon Mystherbe et mon Chetiflore. Allez, on y va. Ce que je voulais. J'en avais combattu un l'autre jour, mais j'étais là. Ah, ça doit pas être si rare que ça. Mais je sais pas si c'est rare en fait. Ah, il a même pas monté d'un seul niveau. Bon. Dans ce temps-là, je vais aller faire monter mon. Chetiflore, attends, il est niveau 12 et mon Abra est niveau 10. Je vais faire monter mon Chetiflore. Un peu dans les herbes ici. Et salut tout le monde! Donc j'ai fait une petite pause et c'est juste pour vous montrer un peu tout qui évolue en Noirfang. Donc voilà. Je vais juste le renommer, je peux pas le renommer. Oh. Bon ben c'est un Noirfang maintenant. Et il s'est passé plusieurs petites. Ben pas beaucoup de choses, mais quelques petits trucs pendant. Cette petite ellipse, pardon. Donc, premièrement, j'ai fait monter mon Chetiflore au niveau 14 et je suis encore en train de le faire monter. Voilà. Ensuite, mon route a monté niveau 20 et avait évolué, ça vous l'avez vu. Ensuite, j'ai été chercher mon mystère, bien monté d'un niveau, il est rendu niveau 16 pour aller porter mon Abra. Parce qu'il est pas très fort en ce moment, puis il connaît juste les portes, donc c'est pas très facile de le faire XP. Je vais aller chercher dès qu'il va avoir appris qu'il y a plusieurs attaques, là, qu'il y a des attaques au moins. Puis pendant ce temps-là, je vais monter mes Pokémon, je vais monter chez Tiflore et Mystère au niveau 18 à peu près.
Et quand ça va être fait, je vais revenir vers vous. Mais pour le moment, il faut que je les fasse équiper encore. Donc, ouais, dès que ça va être fait, je reprends l'enregistrement. Ou s'il y a quelqu'un qui évolue. Et juste avant de couper l'enregistrement, on va passer au centre Pokémon. Voilà, parce que j'ai plus vraiment de Pokéball en fait. J'ai pas beaucoup d'argent non plus par contre. Ça va être un peu galère d'aller rechercher notre petit Abra. Parce que j'aurai pas d'argent pour y aller. Mais bon, on verra ça en temps et en heure. Pour le moment, je vais vous dire Ellipse, jusqu'à temps. Mais je vais revenir vers vous dès que mes Pokémon seront niveau à peu près 20, 18-20. Salut! Et re tout le monde, donc mes Pokémon ne sont pas du niveau 18, mais je crois que ça va le faire. On va réussir à battre Misty avec nos Pokémon niveau 16. Donc, ce que j'avais prévu de faire, c'est d'utiliser déjà mes deux Pokémon plantes. Donc, Chetiflore avec son attaque Froilian et Poudre de dos. Mais Poudre de dos, ça va être très utile vu que je vais pouvoir faire dormir l'adversaire. Et Mistia avec son attaque Poudre toxique pour le poison. Et Paraspore pour empoisonner. Et ensuite, je vais utiliser sûrement mon Hoothoot avec. En fait, c'est plus un Hoothoot maintenant, c'est un Noirfang. Avec son hypnose. Ensuite, Ferro-Singe. Et si tous mes Pokémon sont KO, je vais essayer avec Reptacel, mais ça risque de pas trop marcher vu que. Comment dire, il m'écoute pas. Ouais, on va dire qu'il m'écoute pas. Si. Donc, on va commencer tout de suite. D'accord, comme. Oh, pardon. Pour commencer, on va utiliser Poudre de dos. Combien il m'enlève? Ah, oh, quand même. Quand même. Ensuite, on va essayer Froilian. Est-ce que c'est utile? Oui, d'accord. C'est super efficace. Eh bien, c'est bien. D'accord, donc il n'y aura plus de super potion. Voilà. Et un de fait, un de battu. Et Staros maintenant. Bon, premièrement, on va commencer par l'endormir. Combien il m'enlève? Ouh, j'ai peur. J'ai utilisé une potion pour commencer. Et d'ailleurs, je crois que je vais utiliser une autre potion encore. Voilà. Maintenant, Froilian. Ah. Ça lui enlève pas tant que ça, hein. On va le réendormir. Oups. Est-ce que j'ai besoin de lui? Ah. Bon, tant pis. Alors, on va essayer avec Misterbe. On va commencer par empoisonner. Ensuite, on va le paralyser. Ah oui, c'est vrai, on peut pas faire deux trucs en même temps. Bon, on va Volvi. On va utiliser Volvi alors. Non, s'il te plaît. Oh. Oh là 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 là. Oh, on va utiliser Ferrossage alors.
Ouais, elle dit que j'utiliserai mon Watt, pardon, Outwood, mais non. S'il te plaît, mort pas. Merci. Oh non, t'as manqué. C'est comme le moment pour pas manquer ton attaque. Bon, Outwood, je compte sur toi. Merci, t'as pas utilisé souris. Oh, merci. Oh non. C'est pas le moment pour te blesser toi-même. Oui! On l'a gagné, on l'a gagné. Vous avez vu, on a gagné, on a gagné, on a gagné. Bon, c'est génial. On a gagné le badge cascade. Et 1200. 1250 Pokédollars qui vont nous être très utiles. On a perdu 3 Pokémon dans le combat, mais on a fini par gagner. Donc, on va tout de suite les soigner. Et on va donc quitter cette ville. Pas définitivement, vu qu'on va revenir pour prendre notre vélo. Mais pour le moment, on va partir. Et on va aller faire XP un peu nos Pokémon pendant que notre Abra est en train d'apprendre des compétences à la pension. Donc, je vous rappelle, on l'a mis à la pension il n'y a pas très longtemps. Et pendant qu'il monte de niveau avec l'entraîneur. On va faire monter de niveau nos Pokémon plantes avec les dresseurs de la prochaine route. J'ai oublié de dire de la prochaine route, ça fait juste avec les dresseurs. Et voilà. Donc, ici on a un combat contre des Pokémon insectes. Ok. Il est niveau 16 lui aussi. Ok, on va utiliser tout alors. Et voilà. Normalement, là, il est KO. Voilà. Donc, on a presque monté niveau. Prochain combat, normalement, on devrait monter niveau 21. Et Chatiflore essaie d'apprendre Poudre Toxique. On va donc remplacer Croissance. Ah, il est mort. À la base, je voulais pas le tuer, je voulais juste l'affaiblir assez pour pouvoir le battre avec mon Chatiflore ensuite. Ah, là, c'est parfait.
Et voilà, on a gagné. Donc je mets mon mystère en première place pour pouvoir le faire équiper un peu. Et là, arrête de nous espionner. Un carapuce. Bien. Bon, on va utiliser poudre toxique. Voilà. Ensuite, on va utiliser Volvi. Donc, on regagne de la vie. Il m'enlève 3 points de vie et je lui en vole 6. Normalement, là, je devrais retrouver avoir toute ma vie. Ouais, non, j'ai 42 sur 43. Bon, ouais, c'est quand même tout ça. Ensuite, prochain. Hé, hey, cette conversation est privée! Et alors? Un ratata. On va l'empoisonner lui aussi. Ensuite, on va essayer Volvi. Est-ce que c'est utile? Oh, il m'a quand même enlevé beaucoup. Hein. Tu m'as pas. Merci. Pikachu. Il me semble que c'est pas efficace Pikachu contre les. Ouais, je vais pas prendre le risque. Le risque, quand même. Je vais plutôt utiliser Sheetfleur, pardon. Pour le battre parce que j'ai un peu peur. J'ai utilisé Fulian. Ah, on est paralysé. Ah ah, il a manqué son attaque. Mystère Blue monte au niveau 17. Eh bien, on n'a pas de Pokémon en bas du level 17, sauf peut-être notre Abra. D'ailleurs, notre Abra, on va aller le rechercher tout de suite. Ça me donnerait que le coup de passer les 2000. Oups. Parce que ça ne me tente pas non plus qu'il monte tous ses niveaux uniquement avec la pension. Je voulais faire la pension juste pour qu'il puisse apprendre. Apprendre quelques attaques pour que ce soit plus facile pour lui de monter de niveau avec moi, mais je veux pas non plus qu'il soit niveau 20. J'attends pas non plus qu'il soit niveau 20 parce que. Ouais, c'est un peu beaucoup, non, niveau 20. Si, niveau 20, ça va me coûter 2000. À peu près. Il a monté de 6 niveaux, donc ça va coûter 700. Est-ce qu'il a pris des attaques? Non, il n'a rien appris. Et niveau 16. Je crois qu'on va le faire un peu de niveau jusqu'à temps qu'il ait des bonnes attaques. Ben, une ou moins une bonne attaque. Et dès qu'il y aura une bonne attaque. On continuera à opérer nos autres Pokémon. Donc on continue sur la route. Ah, je me trompe toujours en ici. Voilà. Donc,
Je viens de pouvoir passer par là. Bon. Je sais pas si on va pouvoir un jour en fait. Ok, donc des Pokémon insectes. Mais avant qu'on se batte contre ce dresseur, je vais vous dire. C'est parce que c'est la fin de l'épisode. Hein. Donc, je vais vous dire. N'hésitez pas à aimer cette vidéo si vous l'avez aimée. À mettre un commentaire dans la vidéo. Ça, pardon. À mettre un commentaire à la vidéo. À vous abonner à ma chaîne si vous aimez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. C'était Tania.